Très bien. Donc, d'après Shembet du Rabbi Rachab, Lamed Zayin, on a vu, pour comprendre le sujet des 10 surat al-Nuzot, le Rabbi Rachab nous a donné l'exemple d'un mot, le mot Baro. Et comment, à partir du mot Baro, finalement, on atteint une compréhension. Une compréhension sur la définition de la première lettre, de par elle-même, lorsqu'elle est séparée de l'ensemble des mots. Et le mot tout entier, lorsqu'il est avec chacune de ses lettres. Forcément, quand toutes les lettres sont rassemblées, le mot, il prend toute sa profondeur, tout son sens profond. Mais dès qu'on sépare la première lettre des autres lettres, malgré qu'il reste un régiment, une trace du sens du mot tout entier dans la première lettre, il est quand même maintenant, on va dire, dans un état où il a perdu l'essence même, l'essentiel, on va dire, de sa personnalité, ce prénom ou ce nom. D'accord. Ici le mot Baro, donc avec tout l'Amshacha, la continuité des brachot qui vient du Keter ou de Chochma, comment ça se continue, etc. Voilà, tout ça c'est un exemple pour comprendre le sujet des Asra Sirot Al-Nuzot. Mais c'est spécifique au mot Baro. C'est spécifique dans les explications, forcément. Oui. Mais dans l'exemple même, on peut le prendre sur n'importe quel autre nom ou prénom, finalement. Oui. La première lettre, évidemment, influence tout le nom. Oui. Donc elle est essentielle, mais elle a toute sa nature que si elle est attachée au nom tout entier. Donc dès que l'on sort la première lettre du nom, il reste bien sûr une trace de tout le nom dans cette lettre-là, comme on a cité le Zohar qui a choisi le Bet pour la création du monde parce qu'il est Bracha. Le Bet de Bracha. Donc s'il n'y avait pas de trace de Bracha dans le Bet, forcément il n'y aurait aucun lien, il n'y aurait aucune raison qu'il soit la première lettre qui commence le Seder du monde, l'ordonnance du monde. Donc en fait, tout ce Ta'alir, c'est l'identité d'une lettre quand elle est attachée à un nom. D'accord ? Dans les 10 surot al-Nuzot, les 10 surot de manière indépendante ou les 10 surot de manière dans l'idée de groupe, l'idée d'entité générale. Ce que l'on a vu, c'est que telles qu'elles sont dans la situation d'avant le Tzimtzoum, mais sont dans une entité générale. Cette entité générale, elle est reliée au makom spirituel, c'est-à-dire le niveau du Ma'atzil Elyon, donc la source même de l'émanation de tout, qui est Dieu lui-même d'avant le Tzimtzoum. Dieu entre guillemets, puisque normalement on précise, etc. On peut dire que voilà, c'est lié à l'essence, donc c'est l'émanation de l'essence. Dans l'émanation de l'essence, forcément, il n'y a pas d'apparition de l'individu. Et pourtant, chaque Sphira, on pourra la désigner comme Chorma, Bina, Atre, Sibura, Tiferet, Netzar, Otisot, Malchut, mais pourtant, malgré ce, c'est le Keter qui prime et qui englobe toutes les Sphirot, à l'image de la volonté. Quand la volonté prend un être, comme on a vu au début du livre, alors il n'y a plus de place pour les Pratim, pour les détails. Une personne qui était faible, qui était fatiguée, qui n'avait pas les nerfs, qui ne se sentait pas le courage, tout ça a disparu au moment où la volonté est puissante. La même personne est capable de miracles, de tout faire, de briser des choses qu'elle ne pourrait pas briser, de soulever des objets. Voilà, etc., etc., de transformer tout à partir de la volonté. Et les sages ont cristallisé cet esprit-là dans la parole « En davar omen lifnei ratson ». Rien ne résiste à la volonté. Rien, même pas ceux qui précèdent la volonté. C'est ça qui est extraordinaire. Le plaisir précède la volonté, mais lui aussi ne résiste pas à la volonté. Donc il faut bien que la volonté ait une source plus élevée encore que le plaisir. Et ce secret-là, il vient du fait que le niveau le plus bas a toujours une source plus élevée que le niveau le plus haut. Donc lorsque quelqu'un est plus élevé, il est plus élevé dans le dévoilement, mais dans la source, le plus petit que lui a une source plus élevée. Donc c'est pour ça qu'il est dit « V'achalash yomar ki giborani » et le faible dira « car je suis fort ». Yaakov Avinu, qui représente tout le peuple juif, il a cette notion de sentir qu'il est faible. Mais comme il est faible, en fait, il dit « moi je suis fort ». Et cette force de dire « je suis fort » fait que sa force est illimitée puisqu'elle ne lui appartient pas. C'est le point. Quand quelqu'un est fort, alors il s'en remet à sa propre force. Mais quand quelqu'un est faible, il sait que sa force n'est pas la sienne. Donc forcément, il a une force illimitée. D'accord ? Et c'est essentiel. Alors voilà, on reprend dans le texte. La ligne commence à Olam, Troulé. Si vous voyez, à Olam, c'est dans le milieu. À Olam, Troulé, vous voyez ? Je n'ai pas mes lunettes. Alors, d'accord, oui. si vous voulez qu'on compte les lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14. Donc avec toutes les explications sur le Shem Barour, etc., on comprendra le Tzimtzum qu'il y avait sur les 10 Sfirot Agnuzot. C'est-à-dire qu'il y a eu un Tzimtzum sur les 10 Sfirot. Pourquoi? Alors Agnuzot, elles sont enfouies dans le Or Ensof, Baruch Hu. Shebetrila, ayu kol asa Sfirot beitachadut. Au commencement, elles étaient toutes ensemble unifiées, beitarvud mélangées. Delevad, ma sheayu lo beprinat metziut nikeret. Et en plus du fait qu'elle n'était pas dans une situation de Metziut Nikeret, vous vous rappelez ce terme-là? Il y a Metziut et Metziut Nikeret. Une Metziut, c'est une existence, et une existence connue, c'est un autre point. On utilisera un autre terme, Metziut Bilti Nimset. Vous voyez? Quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là. Comme par exemple des âmes qui viennent écouter le cours, peut-être, et qu'on ne voit pas. Des anges qui sont là avec nous, qu'on ne voit pas. Quand le rabbi nous dit, quand on chante un nigoun des rabbiim, les rabbiim sont avec nous à ce moment-là. Donc ils sont là, mais on ne les voit pas. Dans le mariage viennent les parents et les grands-parents. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et pourtant, on ne les voit pas. Oui. Donc en fait, ça s'appelle le Metziut Bilti Nimset. Mais en réalité, quand on va jusqu'au bout, c'est plus que ça. Metziut Bilti Nimset, ça veut dire une présence absente, quoi. Oui. Cette présence absente, elle est un état aussi de dévoilement. D'accord? Puisqu'elle s'appelle Metziut. S'il n'y avait pas du tout de présence, on n'en parlerait pas, il n'y aurait personne, il n'y aurait rien à dire. Mais comme on parle du fait que la personne se trouve là, bien qu'elle n'apparaisse pas, c'est une présence absente. Oui? Et pour nous, une présence absente, ça ressemble à une absence, tout simplement. Donc, on n'est pas là. En fait, c'est faux, parce que nous, on est limité. Il y a des tas de choses qui vivent avec nous, mais on ne les voit pas du tout. Pourtant, on ressent quelque chose, des fois. On ressent quelquefois quelque chose, et ce quelque chose, quelquefois, il a une source extrêmement élevée, profonde, et ça vit avec nous. Voilà. De im loken i efsar liot itachdut yachad. Voilà. Il dit maintenant, comme les 10 sphirotes, elles n'étaient pas dans un niveau de metziut nikeret, elles n'étaient pas dans un niveau d'apparition de leur présence, donc elles pouvaient résider ensemble. C'est-à-dire que dès le moment où je commence à affirmer mon être, par exemple dans le côté social, mes idées, moi je pense comme ça, l'autre dit non, moi pas du tout, moi j'ai rien à dire. Moi. Même de dire j'ai rien à dire, c'est aussi affirmer une pensée, une personnalité. Donc en fait, dès qu'il y a ce groupement de personnalités exprimées, on ne peut pas réellement résider ensemble. Le simple fait qu'un dit moi j'ai rien à dire, c'est qu'il ne réside pas avec les autres, parce que sinon il aurait à dire comme les autres. Mais comme l'un ne dit pas comme l'autre, on voit que chacun réside dans son état d'esprit. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'il y a une séparation des uns avec les autres. Mais dans les sphirotes, d'avant le Tzimtzum, les 10 sphirotes avec nos autres, il n'y avait pas cet état d'esprit. Donc c'était une même et unique entité. Aya meir ba'em or moufla vena'ale merot. Donc brillait dans les sphirotes une lumière incroyable, extrêmement élevé. Velo ayu beyecholet aolamot afilu ayoter elyonim lekabel itgalut asara sfirot kemo she'en beenso baruch hu. C'est-à-dire que le monde n'était pas du tout préparé, il n'avait pas la possibilité de recevoir les 10 sfirot tels qu'ils étaient dans ce niveau de enso d'avant le Tzimtzum. On dit enso, c'est plus même que or enso. D'accord? Le or, la lumière infinie, le enso, c'est l'infini lui-même. Donc l'infini désigne la présence même de l'essence, ou la proximité avec l'essence. En metzad atzman, donc maintenant il définit quel est le niveau d'unification qu'ils avaient les unes avec les autres, et d'élévation par rapport au Ensof. En metzad atzman, en metzad etzeman atan, shayu beprinat pshitut legamre, et en metzad aor vagilu shebaen. Oui. C'est-à-dire que les mondes ne peuvent pas recevoir les sphirotes. Pourquoi? Que ce soit par rapport à leur propre grandeur ou par rapport à la lumière et le dévoilement qu'il y avait en elles. Im lo al yede atzimtzum sheyeh nimshar rak beprinat chokhma beprinat atzma. Et là, uniquement par le biais du tzimtzum, donc le voile, le voilement, qu'on appelle dans d'autres définitions, d'autres traductions, contraction, compagnie. C'est seulement par le Tzimtzum
que la Sphira de Sarasvata Muzot va se dévoiler. Donc, Chorma, Bipnatsma, etc. C'est difficile à traduire, une espèce de réduction. Ouais. De... Voilà, en vérité, la vraie traduction en hébreu, ça veut dire diminuer. Diminuer, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura deux Tzimtzum. La Falpi, c'est I, Mamash, Beprina, Tachochma, Shaita, Klula, Enso, Barucho, Inkola, Asara, Sphira, Tagnozot. Cette Chochma, dès qu'elle apparaît comme une Sphira, Bipnatsma, bien qu'elle était auparavant une Chochma, auparavant déjà. Et cette Chochma, donc elle existait déjà dans les 10 Sphirot Agnozot, et on l'a désignée par rapport à la Géoula. Celui qui étudie ça, il peut comprendre quel sera l'état d'esprit de la Géoula. Pourquoi? Parce que dans la Géoula, on sera une entité personnelle. Dieu ne va pas détruire notre personnalité, l'individu. Et en même temps, on aura retrouvé une entité collective, que l'on a perdue depuis la faute d'Adam et Ève. Une conscience collective. Une conscience collective. Et vraiment cette entité collective, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai mal au pied, au bras, à la tête, ça, un autre juif ne ressent pas cette douleur. Dans la Géoula, si quelqu'un a mal, tous les juifs vont ressentir cette douleur. Donc il sera impossible qu'il y ait un juif qui ait une douleur quelconque, qui ait une tristesse quelconque, qui ait... Donc on voit, on va découvrir, aujourd'hui aussi c'est comme ça, mais on ne le sait pas. Quelquefois, notre malaise, notre mal de vivre, il vient aussi du malaise et du mal de vivre d'un autre juif, de tas d'autres juifs. Quand les juifs ont été éparpillés dans le monde entier, quand ça va mal pour les juifs, ça allait mal en Espagne, alors d'autres juifs, en Pologne, faisaient de leur mieux pour remonter le niveau et donner de l'éclat de Torah et Mitzvot pour aider les juifs d'Espagne, même si directement ils ne pouvaient pas les toucher. Donc il y avait toujours comme ça, il est dit que Dieu a fait du chesed dans le fait qu'il est dit tzedaka, pas la chant de chesed, mais tzedaka c'est la justice dans son expression, qui nous a éparpillés dans le monde entier, pour pouvoir nous donner d'accéder à une aide, une entraide. C'est comme des vases communicants. Exactement, toujours. Mais aujourd'hui finalement on ne le voit pas concrètement, on ne sait pas que... Un juif qui fait Torah et Mitzvah dans un endroit du monde, il ne pense pas qu'il renforce un autre juif de l'autre bout du monde. Et pourtant, c'est vrai. Parce qu'on est aussi attaché par des shorshei neshamot, des racines de l'âme, qui font qu'on est tous reliés les uns les autres et que quand je travaille, je me dépasse, j'étudie, je vais au bout de la passion de mon être pour l'étude de la Torah et l'accomplissement des Mitzvot, je donne de la lumière à un autre juif qui est attaché à la même racine de l'âme. S'il n'est pas attaché à la même racine de l'âme, c'est très difficile de le toucher pour moi. C'est même pas mon travail. Mais comme il est de la même racine de l'âme que moi, alors oui, je peux le toucher. Et ça, ça fonctionne tout le temps. Ce travail-là, il est constant. Et c'est là aussi, il est dit, Israël a rêvé Mzelazé. Mais on n'en a pas une conscience pour l'instant. Et ça, c'est aussi une part de l'exil. Donc dans la Géoula, on verra, on comprendra, on vivra dans une entité collective. D'accord ? Et ça, on le trouve déjà. Parce que c'est essentiel. Ouais. Ça va exister dans la Géoula, mais si ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister en réalité. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a un cœur qui dit En Chadash Mitachat Hashemesh. Dieu a construit le monde en une fois, y compris ce qui sera dans la Géoula, sauf des niveaux qui vont être dévoilés totalement au moment de Triat HaMetim, mais même ça, peut-être qu'on peut supposer. Alors, en fait, le fait de cette unité du peuple juif par l'essence et la conscience de l'être, ça existait dans les Sphirot Agnozot. Nous, on l'étudie comme les Sphirot, on ne pense pas qu'il s'agit de nous, mais en réalité, il s'agit aussi de nous. Les Sphirot Agnozot, ce sont nos sentiments à nous. La mitzvah de la Vesrel, c'est dévoilé cette redoute entre les Sphirot. Enfin. C'est aussi. Oui, bien sûr, la mitzvah de la Vesrel, c'est ça. C'est ça, c'est ça, essentiellement. Alors voilà, Afal Piken. Non, Vafalpi, Shei, Mamash, Prinat, Achochma, Shaita, Klula, Beenso, Baruchu, Inko, Lassar, Sphirot Agnozot, Mekol Makom, Kesheni, Imshecha, Bipnei Atzma, Veena, Meurevet, Im Shari, Aprinot, Areze, Yerida, Mimadrigata. Donc, dès que la Chochma, elle quitte finalement les autres, l'attachement aux autres, et elle apparaît de par elle-même, même si elle va donner naissance à la Bina, qu'elle va influencer la Bina, qu'elle soit du Keter. Donc elle n'est pas non plus déconnectée totalement des autres sphirotes. Mais dès le moment où elle est séparée, elle est descendue de niveau. Pourquoi? Parce que l'entité générale, comme on l'a vu exactement, c'est pour ça qu'il nous a donné cet exemple du mot,
on ne peut plus dire maintenant toute la machmaou du mot, toute la nature profonde du mot, signification. La signification du mot, si la lettre elle est toute seule. Elle a beau être, même le bête dont on a dit c'est le bête de bracha, quand même, le bracha c'est bracha quand il y a tout le nom écrit. Et c'est parce qu'on sait qu'il est attaché à ce mot qu'il garde encore un rishimo, une trace. Mais il est bien plus petit que quand il était attaché à toutes les autres lettres. Donc la chokhma de la même manière. Voilà, il dit, maintenant une parenthèse, de levad hayirida shalede tsema itgalut shalede ze nasa beprinat metziut davar, que dit Skaliel, le perek raf bet. En plus, ce que l'on vient de dire, c'est en plus du fait de le fait de la descente qui est occasionnée par le dévoilement. Vous savez, on a dit assez souvent que les Rebbeim ne voulaient pas se dévoiler, qu'un vrai Nassiador ne voulait pas se dévoiler, que David Ameler ne s'est pas dévoilé du jour au lendemain. On a vu le Rabbi Rachab qui a mis tant d'années, certains disent que c'est 10 ans exactement, avant de prendre la Nessiout, etc. Le Baal Shem Tov qui a refusé pendant 7 ans, Moshe Rabbeinu, 7 jours. Pourquoi ? Même le Rabbi, peut-être un jour, oui. Le Rabbi, un an. Un an. Pourquoi tout ça ? En fait, parce que, entre autres choses, évidemment, les tzadikim c'est sont... C'est sa femme qui a convaincu. Oui, les tzadikim ne sont pas égoïstes, et c'est pas qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, etc. Mais, en réalité, c'est aussi une séparation de Dieu, d'un certain point de vue. Une séparation de leur niveau tellement élevé. C'est pour ça qu'il est dit sur Moshe Rabbeinu, l'Anon Emsaï, le rapport dans Torah Traim, que pour Moshe Rabbeinu, donner la Torah, c'était une descente de niveau. Pour nous, ça n'est pas faux. Un homme vient donner la Torah à tout le peuple juif. Mais c'est sûr qu'il s'est élevé. Et il nous dit non, c'était une descente de niveau pour lui. Il était au-dessus de la Torah. Donc en fait, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et dans chaque dor, c'est Moshe Rabbeinu de chaque génération. Il est encore plus élevé que le premier Moshe Rabbeinu. Donc à chaque fois qu'il doit passer au stade du dévoilement, il descend de niveau, parce qu'il se sépare de sa fusion avec Dieu, comme dans l'état des 10 sphérot Agnouza. C'est pour ça que les Bnei Israël ont refusé aussi de rentrer en Eretz Israël. Entre autres choses, parce qu'ils ressentaient la séparation avec Dieu, effectivement. Ouais. C'est pour ça qu'on ne doit pas les incriminer plus que... Plus que ça. Parce que nous aussi, on est dans ce sentiment-là, et c'est peut-être l'un de nous qui était dans cet état d'esprit. Et si on avait été comme... les Juifs dans le désert, en voyant Dieu qui marchait devant nous, et qu'on avait constamment un rapport avec Dieu directement, c'est déjà une Géoula en fait. La Géoula c'est ça, c'est que Dieu arrête de se cacher. Si on avait été dans cet état-là, on nous dit, bon allez, rentre en exil, on n'aurait pas tellement été chaud pour ça. Mmh. Ce qu'ils ont vu quand ils sont rentrés en Eretz, c'est l'exil finalement. L'exil dans la chute de la matière. Ils ont très peur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fallu même une protection particulière pour Yoshua et puis Caleb ben Yefouné qui lui-même est allé la chercher chez les Avot. Parce que autrement, eux aussi ils auraient cédé à cette dépression, on va dire. C'est une sorte de dépression ce qui est arrivé. Quand quelqu'un pleure, se plaint et dit je veux pas, ben c'est une dépression. Ils ont fait une dépression. Les Meraglim. Et puis tout le peuple juif avec. Ils étaient en chemin, c'est pas 40 ans. C'est un côté qui est mal expliqué, je trouve. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Non, bien sûr, mais d'habitude, on l'explique d'une autre vision, évidemment, mais dans la chassidoute, c'est expliqué comme ça. Ouais, je l'ai dit, toi. Mais en fait, on peut le comprendre. Ils étaient dans le désert avec l'idée, on est sortis d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Maintenant, l'Aïm Saï, le chemin intermédiaire, il était tellement élevé. Dans la proximité de Dieu, que découvrir Eretz Israël, il fallait faire la guerre. Il fallait travailler la terre, devenir un paysan, etc. C'était des touroutines, ça, c'est des prétextes. Mais en fait, c'est la différence entre les Gilouim et le Etzem. Parce qu'ils ont eu des Gilouim dans le désert, et en fait, le Eretz Israël, ça engage de dévoiler son Etzem. Même si on est confronté avec la Gashmiut, justement, vrai. Ça dévoile le Etzem. C'est vrai. Et aujourd'hui, on a le Gilouim de Etzem, si on veut. Non, on a le Etzem, mais on n'a pas le Gilouim. Dans la Géoula, la différence, c'est qu'on aura les deux. Le Gilou, le dévoilement de Hatzmout. À la fois le Gilou et à la fois le Etzel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit que notre génération, elle était plus élevée que leur niveau à eux. Bien qu'on ait les mêmes âmes qui reviennent à nouveau, mais cette conscience de on est attaché à l'essence de Dieu par la matière. Donc on n'a aucun dévoilement. Et accéder au dévoilement, c'est ce qui va faire de la part des choses. Parce qu'un juif qui ressent la présence de Dieu, c'est un autre niveau. C'est un autre juif. Voilà. Alors que là, on a l'essence, c'est vrai. C'est
pour ça, ça sert à mitzvah, La tâche, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, puisque je touche l'essence de Dieu par la mitzvah, par la matière. Mais ça, on ne comprend pas bien tout ce que ça veut dire mitzvah. C'est que si on comprend, on comprend mieux, tu vois. Ouais. Alors le rabbi dit, c'est comme quelqu'un qui a un diamant dans la poche. Il ne regarde pas à chaque instant qu'il a le diamant, mais il sait qu'il a le diamant dans la poche. Il est dans la poche quand même. Ouais. Dans la Géoula, le diamant l'aura dans la main, il va briller sur les visages. Donc voilà. Donc on comprend que tout ça, c'est un passage d'un niveau à un autre niveau, et que la Chokhma, pour se dévoiler, elle est descendue de niveau. Elle a quitté le dévoilement du Ein Sof, ou l'étachant avec le Ein Sof, pour dévoiler sa propre personnalité. Voilà. Ou Veprat, Keshenim Shecha, Venit Gala Bifne Atzma, en particulier, donc elle s'est continuée, elle s'est dévoilée de par elle-même, Shes Naasa, Beprinan Metsiur Davar, elle est devenue tout à coup ce qui s'appelle Metsiur Davar, même si nous on entend Chauma de Hatzilut, ou les niveaux précédents, comme un niveau de haine, de néant par rapport à ce qui va suivre, mais comparativement au Asasur Tagnuzot, elle est comme une Metsiur Davar, c'est-à-dire elle est déjà dans un état d'existence. Elle est plus maintenant dans un état de pshitut, de simplicité absolue. Kemo shaita kodem, tel qu'elle était auparavant. Daeder apshitut areze gam kem italmut. Aor sheeno meir ba beprinat pnimiut ora begilui. Donc en fait, le manque de pshitut, le manque de simplicité. Pshitut, faut pas oublier, qu'est-ce que veut dire ce mot? Ça veut dire le contraire de ce qui s'appelle en hébreu murkav. Murkav, c'est-à-dire qu'il y a une construction. Pshitut, il n'y a aucune construction. On ne peut pas attacher, on ne peut pas trouver un mur, on ne peut pas trouver un corps, on ne peut pas trouver un état de structuration. Il n'y a aucune structuration. Ça, c'est la simplicité. Ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov, c'est que la simplicité est reliée avec le Keter. Et que par la simplicité, on touche ce qu'il y a de plus haut. Et quand le Baal Shem Tov a dévoilé le Yudhi Pashut, il a dévoilé que un juif peut être un chomer gelem, un matériau brut qui peut être dans les mains de Dieu, qui peut arriver à être toute chose. Donc en fait, c'est ça l'idée de pshitut. Et avant le Baal Shem Tov, on pensait que celui qui était pashut, il était inférieur, tout simplement. Et le Baal Shem Tov a dévoilé que non, il est supérieur. Mais comme il dévoile rien, forcément, il a l'air le moins élevé de tous. Donc il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas... Hein? Donc qu'est-ce qu'on attend de lui? En fait, on attend tout parce que tout est possible avec lui. Et avant le Baal Shem Tov, on n'imaginait pas cette idée-là. Donc dans notre génération, on a perdu la pshitut naturelle. Il faut obtenir la pshitut par un travail intellectuel et psychologique extrêmement profond. La chassidut Chabad est venue pour ça en réalité. D'aider la pshitut, a rezé gam kanita anuta or she'eno meir ba beprinat pnimiut ora vegilui. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on manque de pshitut, la lumière ne brille pas sur nous. Quand on voit des gens simples, quelquefois ils ont une grâce particulière. Ils ont une innocence merveilleuse qui fait qu'ils brillent dans leur être. Alors qu'ils ne sont pas forcément. Il y a qu'à voir les enfants, comment ils font leur tefila. Voilà, comme les enfants, où on voit la pshitut des enfants, la simplicité de leur être. La simplicité, c'est justement qu'ils peuvent accéder à tout. On leur dit, tu sais que j'ai vu un cheval qui volait dans le ciel, un adulte qui a dit, depuis quand tu fais de moi comme ça, regarde-toi. Un enfant, il va dire, ah bon, ça, je peux le voir. Il y croit. Donc on peut lui raconter quelque chose. Et on peut dire, bon, c'est l'innocence. Mais justement, c'est ce qui fait la grandeur et la possibilité d'accéder à la Géoula. Immédiatement, c'est accéder à l'enfant qui est en nous. S'il n'y a pas d'enfant en nous, on ne peut pas avoir la Géoula également. D'aider à pshitut, à rezer, gam ken italmut à or, chez nous, meir, beprinat pnimut, aura, begilui. Alors, on finit une parenthèse, od zot. La parenthèse, quand elle s'ouvre, on ne sait plus quand elle s'ouvre. C'est plus quelle parenthèse, c'est ouverte, c'est fermé. Ah non. D'accord. Chez nitalem à or, chez aya, meir, bahem, kishayou, mitachatim, yachad. Voilà. La lumière du groupe a disparu. Nous, on connaît cette situation-là quand on dit quand on prie en minyan, la tefila est acceptée. Même si ma tefila est archi nulle, même si tu ne sais même pas lire. Si tu ne sais pas lire, c'est quoi ta tefila? Je dis amen. D'accord, c'est aussi une tefila. D'ailleurs, les chazarot de Shmona Esrei. C'est pour qu'on dise amen. C'est pour qu'on dise amen, effectivement. Donc en fait, il est dit que le tshalat tzibur, comment dire, je ne sais pas.
le Sherat Tzibour, il renquitte tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas venir à la choul le même jour. Quelqu'un est malade, il est à la maison, d'habitude il vient prier, mais là il ne peut pas venir, le Sherat Tzibour le renquitte. Même pour la bracha de Jour Kodesh, non? Le cas de la Kodesh, etc. C'est sûr, c'est qu'il est Shalat Tzibour de toutes les manières. Shalat Tzibour, c'est son nom. Voilà, il est Shalien, donc un émissaire du Tzibour, de la communauté. Okay. C'est pour ça qu'on dit qui est-ce qui va monter Shalat Tzibour, c'est pas toujours évident. On a le droit de refuser trois fois, je crois. C'est ça? On a toujours le droit de refuser trois fois. On a vu ce qu'on a dit auparavant, ils ont refusé plus de trois fois. Ok, moi, à Machal, Be'ot Be'et, Anan, c'est que c'est Aya. Betevat Barur, Ayabo, Askala, des Bracha, Kanal. Donc en fait, on voit par le mot Barur, on voit qu'il y avait toute la réflexion, qu'est-ce que c'est une Bracha? Qu'est-ce que c'est une bénédiction? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi la source? On est monté jusqu'à Chorma, après on a dit jusqu'à Keter, après on peut trouver que c'est encore plus haut, puisqu'on a défini que ça vient de Adam Kadmon. Puisque lui, il inclut toute la Ishtashelut. Donc forcément, c'est-à-dire tous les mondes, forcément la Bracha vient de lui, d'Adam Kadmon. Comme il est dit, Israël a loupé Marshava, depuis sa pensée à lui profonde. C'est de là d'où viennent les brachot. Dans le mot bracha, voilà ce que l'on a. Quelque chose d'extraordinaire. Et dès qu'on détache les lettres, c'est fini. On a un bête, etc., etc., jusqu'au E. Donc on a perdu toute l'entité générale qu'il y avait auparavant et la lumière générale de la bracha. La même chose nous dit le Rabbi Racham, la Sarah Surot Agnuzot, dès qu'elles sont séparées, elles ont perdu. La lumière et l'élévation de l'entité générale. Et c'est pour ça que dans la Géoula, nous retrouverons cette lumière, cette entité générale qui fera que mes manques seront immédiatement comblés par les autres. Etc., etc. En fait, j'aurai plus de manques comme aujourd'hui. On a des manques parce qu'on est un individu séparé. On ne peut pas combler ses manques en réalité. On aura toujours des manques jusqu'à la Géoula. Parce que un bras, il ne peut pas vivre sans l'autre bras, sans la main, sans le pied, sans... On ne sait pas pour l'instant. Donc on pense que les manques sont juste liés à mon quotidien. Et à mes manques d'argent, de ci, de là, de bien-être, etc. En fait, tout ce bien-être, il a une entité générale qui fait que toutes les manières, dès qu'il y a un autre juif qui souffre dans le monde, je ne peux pas être bien en réalité. Donc malgré tout le bonheur que je peux avoir, etc., ça peut être qu'un bonheur, un bonheur momentané. Le véritable bonheur ne peut être ressenti qu'à la Géoula. En exil, est-ce que tous les juifs peuvent être bien? Ça veut dire riches, en bonne santé De manière absolue, non. Heureux. Sinon, ce ne serait pas l'exil. Mm-hmm. Mais dans la préparation de la Géoula, peut-être que oui, on peut y arriver. Ok, moi, l'exil est basé sur le fait justement qu'il y ait des riches et des pauvres, et qu'il y ait de quoi faire la tzedaka, et que toute cette souffrance du monde, elle a un sens profond qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Non, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit le goyim qui subit en imposant des juifs, comme ça tout le monde est. C'est ce qui va se passer dans la Géoula. Je crois qu'une femme, elle a droit à 1000. On aura des milliers de serviteurs accrochés à notre tir, par exemple. Ils nous apporteront des diamants et des trésors, et nous, on leur donnera de la chassana, de la Torah. Ok, moi, Machal Be'ot Be'et, Anan. כשהיה בתיבת ברור, היה בו השכלה דברכה כנן, כנזכר לאל, כשנפרד, נפחד, אין בו מההשכלה הזאת, רק מעט ורושם בלבד כולה, כנן. כמוכן, כשנמשכה ספירת החוכמה לבד, אין בה רק מעט מהאור הקודם בה. למה מעניין כאן את ספירת החוכמה? אלא פרטות סל, עניין כפלו כאם טיפו דו ללמיה, ג'נרל כבריאה עונה לו פרבו. C'est ça son Rishimo, c'est ça son Rishimo. Oui, le Rishimo, une trace uniquement de la lumière précédente. Kitsur, Verdere, Machal, Tevat Barur, Che, Melovaj, Ba, Askala. Donc, à titre d'exemple, la lettre Barur, le mot Barur, pardon, dans lequel est contenu tout le sens profond de Barur, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à monter à Adam Kadmon et peut-être plus encore. Keshe Mafridim, Od Bet, Mekne Atzma, En Borak Me'at, Me'asechel, Che'aya, Melovaj, Bo. Voilà. Et quand on sépare la lettre bête de par elle-même, elle se retrouve toute seule, il n'y a plus qu'un petit pot, un petit peu d'intellect qu'il y avait auparavant dans cette lettre-là, dans ce mot. Vare ou oto a orakodem, et pourtant c'est la même lumière précédente, que mochen a chokma l'yede shenivdela bipne atzma, de la même manière la chokma a le fait qu'elle soit séparée de par elle-même,
Le simple fait qu'elle soit sortie de sa simplicité, alors elle est rentrée dans un état de miyut taor, de réduction de la lumière. Voilà. La lumière maintenant dans un état de miyut. Voilà. Voilà, là on va commencer un nouveau chapitre. Peut-être on arrête, on termine ce chapitre là. Alors, qu'on est la Gibraïm et Tivashima, Terefumia, Damas. Pour la Refouach Lema de Denise Victoria, Bat Simon Rachel. Pour la Refouach Lema de Denise Victoria, Bat Simon Rachel. Et pour le bien-être de tous les Juifs, qu'on est Terefumia, Damas, la Gibraïm et Tivashima.